plié dans affaires pour l'équipement, son, instrument, dernier cri, dernier modèle, avec dernier caméra, avec computer et tout ce qu'on est en l'église qui a besoin, et même ça nous pas connaît. The construction was going forward, even when the expenses were multiplying with top-notch sound equipment, instruments, cameras, computers, lighting fixtures, and other technical materials. C'est comme ça, dans le mois de juin 2024, premier service dimanche était ouvert aux membres fondateurs, leurs familles et leurs amis. And in the month of June 2024, the church has its first regular Sunday services with the founding members, their families and friends. Et au mois de juillet 2024, l'église a été ouverte porte pour tout le monde. In the month of July 2024, Palakwa Christian Center opened its doors to the general public for Sunday morning services. Mission et stratégie Palakwa Christian Center qu'a résumé dans trois points ça. Palakwa's mission and strategy can be summarized in the following three campaigns. Premièrement, campagne relâchement. Côté nous pral prendre la rue dans tout coin, dans tout côté pour nous chercher monde qui en bas griffe Satan pour qu'a vienne venir Christ. Cette campagne évangélisation ça cap continuer jusqu'à ce que Jésus retourne. First, campaign release. We will go out to every corner to look for people under the devil's grip to convey to them the gospel of Jesus Christ. This evangelization campaign will go on until the return of our Savior. Si on connaît monde qui besoin de Christ, puis la croix c'est pour lui. Si on connaît monde qui cherche mon Dieu, puis la croix c'est pour lui. Et si ou même ou est arrivé ou voulez by vie à Christ, contactez-nous parce que puis la croix c'est l'église où. If you know anybody who needs Jesus, Palakwa was built for him. If you know anyone looking for Christ, Palakwa is his church. And if you want to join the Assembly of the Saved, let us know. Palakwa is your church. Deuxièmement, na campagne réclamation, nous voulons aller pour prendre tout ça pour nous réclamer yo. Jeunes nous yo, que nous luttons en pile, nous prions en pile, nous crions en pile. Nous dépenser en pile pour faire yoye ça yoye jodia et puis connaissance yo l'argent yo force yo ressources yo c'est l'autre communauté qui pas fait rien pour yo c'est là y a baili. Second, campaign reclaim. We want to claim back our youth who left the Haitian community. Even though we had invested everything in them, our prayers, our money and our love, they are only serving other communities. Si vous avez des amis, frères ou sœurs qui quittent la communauté haïtienne, tant pis, contactez-nous. Gagnez l'église pour vous dans la communauté haïtienne. C'est Pied la Croix, Christian Center. Ou même, si vous êtes jeune, si vous êtes un monde ou professionnel, et puis, peut-être toute raison que vous avez énuméré ou quitté le secteur évangélique haïtien, nous demandons de retourner, venez joindre avec nous pour nous bâtir l'église Paola. Relez-nous, contactez-nous. Pied la croix, c'est l'église où lié, c'est l'église où a vienne fait avec nous en lié. If you have families and friends falling into this category, Palakwa was built for them. If you are a youth or a professional who left the Haitian community for whatever reason, we are inviting you to come back to your roots. Together, let's build Palakwa Christian Center to become the church you've always wanted. Troisièmement, la campagne restaurée, puis la croix parle de tout haïtien, croyant ou non croyant, qui pour une raison ou pour l'autre, n'ont pas arrêté dans l'église haïtienne encore, mais ils sont tellement haïtiens, ils ont parlé dans l'autre communauté. Ils ont été là, ils ont parlé dans le programme qui a un rapport à bon Dieu, puisque ils aiment bon Dieu, mais ils n'ont pas jamais fait au moment qu'en l'église locale haïtienne, parce que ils ont découragé à leadership, ils ont découragé, ils n'ont pas cru encore. Que l'église locale qui a vraiment mené au bail mon Dieu. Eh bien, Pied la Croix, c'est l'église qui fait exactement pour vous-même qui consacre, ou même qui perd du espoir, ou même qui pas croit que leader parle pour vous, vraiment assez. Eh bien, Pied la Croix, c'est l'église Paola. Viens bâtir avec nous, des expériences ou fait, nous pour faire. Nous tous ces restaurés dans Pied la Croix.
mais au gros bagaille au capoté. Nous qu'avons fait ça ensemble. C'est peut-être ça, nous-mêmes dans pied la croix, nous casser tête pour nous, nous dit non, nous pas arrêter dans la rue, nous pas arrêter gailler l'église, la famille chrétienne, li fait pour nous ensemble, nous besoin assembler, nous besoin prier ensemble. Et c'est pour ça, pied la croix vient avec campagne restaurée, c'est pour vous. Contactez-nous, venez bâtir l'église ça à côté toujours réveillé. Third, Campaign Restore. There are numerous Haitians, believers and non-believers, who stop attending local Haitian churches for several reasons. They stay in the community, but they don't belong to any church, even though they often attend religious activities of different congregations. Because of their bad experience or simply because they have lost faith in the local church leadership, they are not members of any church. If you are one who wants to restore your faith, in a leadership who understands your needs, Pelakwa Christian Center is the church for you. We were all like you, lost between our desire to serve our community and the deception of not given that chance. We suffered, but we believed in our need to be in an assembly. All hope is not lost. God always find a way for His people. We need each other to form a family of saints to carry one another spiritually and socially. We need each other's experience to become the best of ourselves while serving our Lord Jesus Christ. We are a family who understands the value of each of our members. Our leadership is equipped spiritually and with enough knowledge and love to support each other with respect and care while carrying the Word of God everywhere. Come to us. Pelakwa Christian Center was built for you. Come and make it the church you've always dreamed of. Merci Jésus, pour pied la croix, pied la croix, pied la croix, pied la croix. Amen. On est là pour recevoir, moi venu dans pied Christ, et moi on est là pour recevoir, oui, dans pied la croix, il va pour ce seul côté, il est venu, il va pour ce moi venu dans pied la croix. Côté sans Christ écoulé à moi qu'on est là aussi. Voilà, quand nous retournons, nous saluons tout le monde, pour le monde qui fait côté, nous saluons et nous entrons directement dans la troisième partie, j'en ai promis déjà, et nous allons entrer dans la troisième partie, et pour le monde qui t'a suivi avec nous pendant des séances, et nous parler de plusieurs campagnes, et surtout les trois campagnes que nous avons parlé de eux, et nous avons parlé de deux campagnes qui étaient venues avant eux, qui sont en release, qui se reclame et qui se réclame, qui se relâche, et c'est ça qui sont en termes qui nous utilisent pour évangélisation, pour chercher les gens, pour convertir et puis réclamer. Nous avons parlé de réclamation, de réclamer ça pour nous, de réclamer ça pour l'église, ça pour la communauté. Et puis, dans la séance que nous avons, nous démarrer ensemble avec lui hier soir, parce que Bob a fait et mardi passé. Parce que Bob te fait introduction de campagne ça que nous allons parler à soi, nous allons parler de lui avec commentaire surtout et que nous en bas live là, on capable toujours partager et nous toujours prendre les soins pour nous garder et puis partager avec tout le monde en façon pour bailler des pas, parce que tout ça nous allons dire, c'est expérience de groupe de monde, c'est expérience par moi, c'est expérience par pile monde, c'est expérience par nous tous et qui fait partie et qui fait des chiffres la croix et me connaît cette expérience par tout ou même qui en bas live là. Et nous allons parler de l'histoire. Et introduction, parce que Bob t'a fait avec une histoire, et puis tu as commencé à parler de sa histoire, ou même tu as regardé le live là avec un peu l'attention, et nous t'a parlé tout de campagne d'histoire. Et c'est là où les gens qui ont petit et confiance et de la foi dans l'église locale, dans la communauté locale, dans le leader et l'église locale, ils ont perdu la foi à cause de